Ouais, franchement, là, je suis content. Je suis content. J'étais en train de travailler tranquillement. Je reçois 5 messages. Hey, dame, c'était sur le site de MyProtein. Dame, c'était en page d'accueil. Je suis là, j'y crois pas au début. Je me dis, bon. Parce que c'était un autre ambassadeur avec qui on avait fait le shooting, tu vois. Je me suis dit, ils ont choisi leur ambassadeur. Je vais sur le site, je me vois moi en train de faire un rowing léger. Je me dis, ah ouais, c'est incroyable. Franchement, je suis content. Je suis vraiment content. C'est un rêve de gosse, hein, comme je l'ai dit. Un objectif qu'on a accompli. Et maintenant, voilà, faut avancer, il faut remplir les autres objectifs. C'est pas parce qu'on a accompli ça qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est juste une étape en plus. En tout cas, je tiens à vous remercier, ceux qui regardent les vidéos, qui aiment, qui partagent, qui commentent, qui commandent aussi avec le code DAMS, avec le lien. Et voilà, c'est important, on avance. Moi, je suis très content en tout cas. D'ailleurs, je vais revenir sur mon état de fatigue. Parce que sur mes programmes, sur ma dernière vidéo, il me semble que j'ai dit que je suis très fatigué en ce moment et c'est le cas. Même là, j'étais au travail, j'avais bien dormi la veille. Ça fait 2 jours que je dors bien. Je vais au travail, je suis fatigué avec le soleil, tout ça. Je rentre, j'ai oublié de faire une petite sieste. Je suis KO, même là, je suis fatigué. Et je me suis dit, c'est pas normal. D'accord? Au début, le travail, après, je fais des tournages, je comprends la fatigue. Mais là, je fais tout bien. Ça veut dire que je mange bien, je mange pas gras, je mange équilibré. Je vais au travail. Bien entendu, on est en extérieur. Ça veut dire que voilà, le soleil dans la voiture et tout, c'est compliqué, ça me fatigue. Mais c'est pas normal que je sois aussi fatigué. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, Dams, pourquoi avant t'étais pas fatigué? Qu'est-ce que tu prenais avant? Et il est vrai que depuis 2 mois, j'ai arrêté de prendre le complément multivitaminé de chez MyProtein, tu vois, en gummies. Ça, c'est un complément, si tu veux, il y a de la vitamine C dedans, zinc, magnésium, je crois qu'il y a tout, c'est un multivitaminé, tu vois. Et ça, eh ben, ça me faisait du bien. Je le prenais en hiver parce que en hiver, on a moins d'énergie qu'en été, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que je sens le manque. Je sens vraiment le manque, je sens la fatigue. Parce que comme je fais beaucoup de choses, je fais plein de choses, mon corps, si tu veux, il peut pas puiser, puiser, puiser à chaque fois. Je suis fatigué, donc je pense que je vais reprendre le complément multivitaminé en gummies. Parce qu'il me mettait vraiment bien. C'était un gummies chaque matin. Au réveil, je le prenais, c'était un petit rituel. Et là, ça me manque. Franchement, ça me manque. Là, je me dis, et là, je suis trop fatigué. Parce que là, regarde, je me réveille, je prends un café. C'est pas bien de faire ça. En général, normalement, quand tu te réveilles, il faut attendre 1 heure et après tu bois ton café. Moi, malheureusement, je me réveille, je prends mon café, je vais au travail, tu vois. Une fois que je quitte le travail, je rentre, je bois encore un café. C'est parce que sinon, je dors directement. C'est incroyable. Donc, je prends un café après le travail et si l'énergie est en moi pour aller à la salle, je vais à la salle avec la fatigue. Et après je dors. Mais c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Soit je dors, soit je fais un tournage, soit voilà. Mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que je suis obligé de consommer du café de manière excessive. Sachant que de base, moi je prends que du café le matin. Ou alors, parfois ça m'arrive l'après-midi. Je prends un petit café, je me pose. Mais là, j'ai vraiment besoin de ce petit boost. Et je me dis, eh, c'est pas normal. C'est pas normal d'être autant fatigué, de manquer d'énergie. Donc, ouais, on va reprendre des gummies multivitaminés. Et là, je ressens vraiment le manque. Je ressens vraiment que mon corps, il a besoin d'un petit boost au quotidien. Parce qu'en termes de complément alimentaire, là, je tourne toujours sur la même chose. Tiens, regarde, je te montre. Je suis sur ça depuis 1 mois et demi, 2 mois, juin. Très bon complément alimentaire pour tout ce qui est articulation. En fait, c'est comme si tu prends du collagène en plus. Même si que je t'ai dit que voilà, ça c'est, il me semble que c'est le complément alimentaire le plus cher de chez MyProtein. Mais tu peux prendre du collagène marin. En vrai, tu prends du collagène marin, ça fera le taf et c'est moins cher. Mais moi, j'ai la possibilité de prendre ça, donc j'ai pris ça et franchement, c'est pas mal. Je suis sur ça tous les matins. C'est les gummies pour les cheveux. Même si que j'ai l'impression que ma barbe, elle prend tout, cheveux, ongles, barbe et peau.
mais j'ai l'impression que c'est que ma barbe qui prend. Mais voilà, ça c'est le rituel chaque matin. En fait, si tu veux, ça me fait manger un bonbon tous les matins et ça j'aime bien, tu vois. Je suis sûr, l'ashwagandha toujours en gummies, que là cette fois-ci je prends le soir. Avant je prenais le matin, mais là je prends le soir. Parce qu'apparemment l'ashwagandha a des propriétés pour améliorer ton sommeil, la qualité de ton sommeil. Donc avant je le prenais les matins, maintenant je prends le soir. Même si que quand tu le prends le soir, le matin, t'as une barre, elle est incroyable. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois. On fait avec, ok. Avant mes séances, toujours les EAA. Soit je prends cela, soit je prends ce en poudre. Même si que, voilà, je préfère les gélules. Par contre, ces gélules, je précise, elles sont archi grosses. Et elles sont lourdes. Ça veut dire que quand tu la mets dans ta bouche et tu mets l'eau, le truc, il flotte pas dans ta bouche, il touche ta langue et c'est dur. Donc moi, je le mange comme un bonbon, ça. Le goût, il est horrible parce qu'il faut pas faire ça. Mais je fais ça malheureusement. Ensuite, j'ai deux brûleurs de graisse. J'ai celui-là, le Thermopure, qui est très très bien. Et celui-là, le CLA. Pour moi, les deux, c'est pareil, d'accord. C'est juste que, en fait, moi, tu vois, j'ai pas d'endroit où mettre mes compléments. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est dans mon bureau. C'est rangé. Enfin, c'est sur mon bureau, c'est rangé. Demain, ça va être autre part. Et le premier que je trouve, ben, c'est le premier que je prends. Il faut en prendre 3, si je me trompe pas. Ouais, 3 capsules. Le Thermopure, il faut en prendre 3. Et celui-là, il faut en prendre 2. Ok. Donc, voilà, c'est des brûleurs de graisse. Je prends ça avant ma séance. Comme ça, je suis tranquille. Pour moi, les brûleurs de graisse, c'est pas un complément qui est révolutionnaire, d'accord. Mais ça aide. Ça aide. Donc, voilà, si tu veux tester, tu peux tester, sachant que tous les compléments, eh ben, faut aller sur le lien dans la bio et mettre le code DAM. C'est important, ça m'aide. Et comme ça, je serai encore sur le site. Parce que c'est important, les gars. C'est important. Il faut aider tonton Dams. Il va acheter une villa. Donc, il faut faire les choses bien, les gars. Blague à part, c'est important pour moi de te montrer les compléments que je consomme. Parce que j'ai pas envie de te montrer tout et n'importe quoi. Si tu remarques bien, moi, je consomme toujours les mêmes compléments. Bien entendu, après, il y a tout ce qui est créatine, Clearway et tout. Mais là, en ce moment, j'en prends pas. Je prends pas de créatine. Je prends pas de Clearway. Ça veut dire que là, je prends que ça. Si jamais je me mets à ta place, d'accord, je me mets à ta place, et ça c'est important de le dire. Si jamais je me mets à ta place, je ne suis pas ambassadeur de mes protéines. J'ai pas de complément tous les mois, tu vois. Et j'ai un budget restreint. Ce que je prendrais, honnêtement, serait de l'ashwagandha, clairement, des EA et un pré-workout. C'est tout. Peut-être un peu de Clearway et tout, mais EA, ashwagandha, pré-workout. Brûleur de graisse, j'aurais pas pris. J'aurais peut-être pris du collagène au lieu de ça, parce que celui-là, il est cher. Ou du collagène marin. Mais bon, budget restreint, j'aurais du collagène simple. C'est le moins cher. Et puis, voilà, je serais bien, honnêtement. Après, tout dépend de toi, tout dépend de tes objectifs. Prise de masse, j'aurais peut-être pris de la créatine en plus. Mais là, on est en maintien, on perd un peu de poids, on devient plus mobile. Donc voilà, ça pour moi, ça serait largement efficace. Là, tu vois, là, je suis en train de préparer la fin du mois de juin et le mois de juillet pour te faire du bon contenu. Parce que voilà, faut qu'on avance. Faut qu'on avance, faut qu'on s'entraide. Faut qu'on fasse du contenu de qualité. Sachant que YouTube, si tu veux, ça m'aide à avancer dans mes projets, ça m'aide à manger. Et avec vous et MyProtein et ce que vous faites et la force que vous me donnez, et ben ça m'aide à dégager un peu plus de temps, tu vois. Ça veut dire que moi, ma seule manière de te remercier, c'est de te faire du contenu efficace, c'est de te faire du contenu qui va t'aider à avancer, t'aider à évoluer, t'aider à te divertir et progresser, tu vois. C'est important. C'est pour ça que là je suis en train de préparer tout ça. Comme par exemple les programmes préparation physique, si tu comptes faire du sport en club, du sport individuel, je suis en train de préparer tout ça. Au niveau de la séance que j'ai envie de faire tout à l'heure, parce que je vais aller à la salle, c'est soit je fais une séance pec, soit je fais une séance dos. Je vais pas te mentir, là je suis pas réglé dans le sens où là c'est bon, là je fais les pecs, là je fais le dos.
Là, je suis KO, je suis fatigué. Ça va dépendre du monde, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de comment je me sens aussi. En plus, j'ai envie de te filmer la séance. Là, il est 18h53. Si je vais à la salle, il y aura du monde, je vais m'énerver. Tu vois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et je peux plus aller à la salle les matins. Parce que je commence le travail à 8h. Ça veut dire que à 7h, je suis parti. 7h, je suis parti. Je peux pas aller 1 heure à la salle. Je peux pas aller à la salle 6h et te filmer un truc et partir à 7h. C'est impossible, malheureusement. Sachant que ma salle, elle ouvre à 7h. Malheureusement. Désolé, je tapais deux fois dans le micro, ça s'est entendu, mais bon, c'est pas grave. C'est du contenu spécial aujourd'hui. Du contenu où tu vois les angles sont différents, tu vois, il n'y a plus l'ordinateur derrière avec un fond d'écran. Là, c'est la vraie vie, là. Donc ouais, du coup, je sais pas quelle séance je vais faire. J'ai envie de faire une séance assez dynamique, dans le sens où j'ai envie de foutre du cardio dans ma séance. Mais le problème, c'est que là, avec mon état de fatigue, ça va être dur à assumer. Ça va être vraiment dur à assumer, mais j'ai envie de me dépenser, j'ai envie de me mettre bien. J'ai envie de faire bouger mon corps, sachant que dans 2 jours, normalement, avec les frérots, on va faire un basket. Et du coup, ça va me fumer. Je sens que niveau cardio, ça va me fumer pour de vrai. Et je sais pas si je vais te filmer ça d'ailleurs. Petit vlog où voilà, je te montre, on joue au basket et tout. Je vais voir. Je suis pas sûr parce que le problème c'est que si le ballon il touche ma caméra et elle tombe, je vais frapper des gens, c'est sûr. Donc on va voir, ok, on va voir ça. D'ailleurs les gars, là, je suis sur le tableau de bord de ma chaîne. Je vois on a 17 883 abonnés. Faut qu'on arrive à 20 000 abonnés les gars. 20 000 abonnés, je sais que c'est possible. Je sais qu'on va le faire, mais faut qu'on arrive à ce chiffre. Parce que les gars, c'est bon là. Faut qu'on monte. Là, on est sur la page de MyProtein. Là, on est important maintenant. On est important. Donc, faut qu'on arrive à 20K, faire ça bien. Et puis voilà, on avance. En tout cas, ouais, je suis content. Je suis content de vos retours, de ce que je peux apporter à la chaîne, des programmes, des commentaires. Il n'y a que du positif. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'insultes. Longtemps. Au début, ouais, j'en avais, mais là, j'ai plus d'insultes, j'ai plus d'haters. Parfois, voilà, je fais une petite faute dans le titre, on me corrige, mais rien de méchant. Mais en tout cas, je suis content, franchement, je suis content. Merci beaucoup, en tout cas, pour la force, pour la bienveillance. Je sais qu'il y a plein de commentaires qui disent que tu mérites plus d'abonnés et tout, mais les gars, moi, je peux rien faire à part faire des vidéos. Je peux rien faire. Le reste, c'est vous, les partages et tout ça. Moi, je peux partager, mais tout seul, je peux rien faire. C'est ensemble qu'on peut faire des choses. Donc mettez en story pour ce coin Insta, pour mettez des liens, mettez tout. Partagez les gars. Partagez, montre à tes amis, partage. Parce que moi tout seul, je peux rien faire. Malheureusement. À part produire en masse des vidéos. Produire en masse, ça je suis bon. Ça je peux le faire. Mais malheureusement, voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. On n'a pas 1 million de vues, on n'a pas 1 000 vues par vidéo, c'est pas grave. On produit, on aide. Et ma devise, quand j'ai commencé les vidéos, elle est simple. C'était que tant que j'aide une personne, eh ben je continue. Mon but, c'est pas d'aider toute la terre, c'est d'aider celui qui me regarde. D'accord? Ça veut dire que toi qui regardes, si t'es motivé par ce que je dis, si t'es motivé par ce que je fais, si tu kiffes ce que je fais, eh ben je continuerai pour toi. Et seulement pour toi. Ok? Donc fais les choses bien. Bon, maintenant, il y a la monétisation, on est payé, on est bien. Ça fait du bien. Même si que là, regarde, là, les revenus estimés, 162 $. 162 $. C'est pas beaucoup. Mais c'est quand même de quoi faire des courses. Tu vois? Ça, c'est non négligeable. En fait, moi, je suis quelqu'un qui relativise comme ça. Dans le sens où je me dis, voilà, je fais pas 1 000 euros par mois sur YouTube, mais je fais une somme que je peux utiliser pour manger. Je fais une somme que je peux utiliser pour me faire un petit plaisir. Si par exemple ça, ben j'économise 3 fois ou 5 fois ou je sais pas, ben je peux me faire un petit plaisir. Donc moi je pense comme ça et j'avance comme ça. Et c'est important. Bon, vas-y, là je vois qu'il est 19h02. Je vais finir ce que je fais, faire des petites vidéos pour un client là.
Et après, on va aller à la salle sur les coups de 20h30 dans 1h30. Ça me laissera le temps de finir, de me poser un peu et de préparer mon sac parce qu'il est même pas fait. Et d'aller à la salle, j'essaie de te filmer la séance, faire ça bien. Je pense que je vais faire le dos, je pense, hein, parce que en fait, c'est simple. Pour te filmer une séance PEC, le soir, c'est dur. Ou alors, je te filmerai pas toute la séance, ou juste la partie cardio, parce que je vais faire une partie muscu, une partie cardio, comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo. En tout cas, ouais, je prépare ça et on se rejoint à la salle. Bon alors je t'explique, là on est complètement le lendemain, parce que ouais, je suis parti à la salle, je suis rentré, je me suis endormi direct, c'était incroyable. Les gars, à la salle, il y avait du monde de fou, il y avait trop de monde, j'ai jamais vu ça. Je suis parti tard pourtant, tu vois, je suis parti sur les coups de 20h30, je me suis dit bon, normalement l'heure de pointe c'est 18h à 20h et après c'est bon, il y avait du monde de fou. Se dire que j'ai même pas pu faire une séance dos ni une séance pec, j'ai même pas pu m'entraîner à l'espace libre, j'ai même pas pu bien me filmer, et je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué. Donc j'ai fait un espèce de full body, tu vois, j'ai fait un peu d'exercice jambes que j'ai filmé, notamment en exercice jambes, ce que j'aime bien faire, c'est bien bosser sur le leg extension, tu vois, faire des séries. En unilatéral, histoire de bien bosser mes quadris. Juste après ça, j'ai fait du leg curl, mais leg curl, je ne pouvais pas filmer. J'ai fait un peu de soulevé de terre, jambes tendues. J'ai fait un peu de traction. Et après, j'ai fait plusieurs exos aux haltères, mais eh, franchement, c'était incroyable. Le monde qu'il y avait, c'était incroyable. Et en plein milieu de la séance, j'ai eu un espèce de coup de mou, tu vois, un coup de fatigue qui est venu d'un coup, tu vois, mon corps a demandé du repos, il demandait le lit direct. Et du coup, j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire 1h30 de séance, mais c'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Là, ça va, je suis bien, demain, je suis en repos, mais après, je vais enchaîner 5 jours derrière, donc ça va être très compliqué, mais on fait avec, on fait avec, on avance, c'est important. Là, je suis parti au travail, je suis parti à la salle directement. Après le travail, j'ai fait une vidéo pour la préparation physique, un programme pour la prépa physique. Je vais dédier une vidéo à ça. Juste après cette vidéo-là, je vais la tourner. Et puis voilà, je vais commencer à te créer, te faire des préparations physiques. C'est important, je l'ai dit, il faut que je le fasse. Pour tous ceux qui font du sport en club, du sport individuel, donc là, vous serez servi. À ce niveau-là, c'est important. Là, du coup, là, je vois un peu ce que j'ai fait. Je vais trier les rushs, histoire d'être bien, histoire d'être tranquille. Mais là, les gars, là, au taf, pour revenir au taf, je pense que j'ai trouvé un petit hack. Parce que, tu vois, les gamelles, c'est compliqué. C'est compliqué de faire une gamelle. Parce que, si tu veux, moi, je suis en sécurité transport. Ça veut dire que quand on arrive, on arrive, on est en tenue, gilet pare-balles, tout ça. On rentre dans la voiture et on travaille avec notre voiture. D'accord? Ça veut dire que la gamelle, elle va être dans la voiture, avec nous. Je ne peux pas la mettre au frais. Ça veut dire que si je fais un plat qui peut pas être au frais, tu vois, ça va être, tu vois, le plat il peut tourner. Plus dans la voiture, il fait chaud de fou. Le plat il peut tourner et moi, j'ai du mal avec ça. D'accord? Avec la nourriture, déjà, la nourriture, quand elle est faite pour le lendemain, je suis compliqué déjà à ce niveau-là. Mais en plus de ça, si avec la chaleur, il y a une odeur et tout, je vais le sentir, ça va me gêner. Moi, je suis très très dur. Mais j'ai trouvé un hack. Parce que là, on m'a montré c'est pas un resto, tu vois, c'est une espèce de boucher qui fait du poulet et du riz. C'est pas très cher. Je vais manger ça tous les jours. Bon, le poulet, l'assaisonner, il a un bon goût et tout. Le riz, c'est une espèce de riz tunisien et tout. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon. Je vais manger ça tous les jours. Je te le montrerai dans un des vlogs. Je te le montrerai. Je vais te montrer ce que je mange. Je vais manger ça comme ça, je serai tranquille. Il n'y aura pas de boulangerie le matin, il n'y aura pas de sucre. On va faire ça bien. Okay? Pour avoir un bon maintien au niveau du physique et d'arrêter de manger du sucre. Parce que là, c'est bon. Là, mon ventre, il me fait chier, là. D'ailleurs, je suis désolé, ce format de vidéo n'a même pas de thème, tu vois, il n'a même pas de thème. C'est un format comme ça que peut-être que je referai
pour répondre à des commentaires, pour qu'on soit en mode chill. Mais ouais, vraiment, ça n'a aucun thème. Hein. Au début, je voulais faire un vlog. Après, je me suis dit, non, c'est bon, j'ai pas envie. je suis trop fatigué. Peut-être demain, vu que demain, je suis en repos, mais on verra parce que demain, je dois te tourner aussi des vidéos pour la prépa physique parce qu'il y aura plusieurs thèmes. Et c'est chaud, les gars. Franchement, c'est chaud. Mais on va faire ça bien. On va faire ça bien. Et ça va bien se passer. En tout cas, on va se laisser ici, tranquillement. Là, je suis en train de préparer la vidéo prépa. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo sans thème. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, hein, mets un petit commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, droit tout 20k d'abonnés. Ok, c'est important. Encore merci. Grâce à vous, on est sur le site MyProtein, c'est bien. On a fait les choses bien et on continue d'avancer. Et puis voilà, hein, moi je te dis, porte-toi bien comme on avec le code DAM sur MyProtein. Et à la prochaine pour la suite.